Salut YouTube, on est le lendemain, pas le soir comme je l'avais dit, peut-être 17h30, mais c'est faux. Des bisous Ultimanu, il y retourne aussi, on te fait des bisous Ultimanu. On continue du coup notre presbytère de Midra, mesdames et messieurs. Et nous étions arrivés dans la salle du presbytère, et c'était quoi le début de la zone? C'était par où? C'était par là, là. Le cimetière abandonné, sentier sylvestre, ouais, enfin en gros la zone de ses morts, hein. Voilà, zone de ses grands morts. Ça là, franchement, j'aurais trop envie d'aller voir si je peux pas y aller d'en bas là. Est-ce que je commencerai pas par aller voir ça? Je sais pas si ça... Attends, arrière du fort de la réprimande. On va regarder par en haut, si on peut aller là. J'ai fini cette zone hier trop bien, ça a l'air ouf. Hein. En soi, ça change quoi le New Game Plus? Les boss ont plus de vie? Ouais, c'est ça. Plus de vie, plus de dégâts. 1,5 fois plus à chaque New Game Plus, je crois. Merde. Ah oui, mais d'accord, mais moi je peux pas prendre mon cheval là pour redescendre en fait. Attendez, si je fais ça, je vais passer par le feu qui était là. Au moins pour aller voir quoi. Ah ouais, salut Yann, coucou. Ouais, ouais, je me régale, hein. Salut Yann, coucou, coucou. C'est sur le Twitch rouge. Non, non, j'ai pas fait, j'ai coupé hier. J'ai coupé, j'étais en fin de stream parce que mon frère m'a appelé pour... Bon, la cabane, elle est pas là, je pense pas. Ah, mais si, la cabane, je vois ce que c'est. Je suis débile. En fait, c'est là qu'il y a la colonne d'air. Pouf, pouf. Donc ouais, en fait là j'y suis déjà allé. Ok, bon, on va faire ça du coup. Ouais, je devais aller rejoindre mon frère pour aller manger. Mes respects, Nayout. Mes respects, Nayout. Putain, le presbytère de Miranda. Ça a l'air d'être une superbe zone. Ça a l'air d'être fou. Là, je pense que je vais avoir un... Oh non! Non. C'est fermé. N'approchez pas la démence, sans quoi vous succomberez. Merde. Ah bah d'accord. Eh ben ok. Sans conviction, j'y vais sur... Non mais c'est chiant parce qu'il n'y a plus le tableau. Il était beau le tableau, en vrai. Ils auraient dû mettre un autre tableau moche et en face un tableau beau. Toi, t'as sauté dans le tableau comme dans Mario 64, mais en vrai, c'est une bonne ref. Hein. Salut Bad Wolf, coucou. Comment vous allez tout le monde? Franchement, moi, je... Hier soir, en fait, j'ai terminé mes montages et tout à 21h, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, vas-y, j'ai pas bouffé, c'est trop tard. Mais j'avais envie de lancer après. J'étais là, mais j'ai trop envie de lancer un stream sur le jeu. Matrixé, quoi. Oh, putain. Je sens que je vais me faire défoncer, je le dis, mais... Surtout lui qui est méga chaud, giga sandwich devant le stream. Ouais, mais faut t'es de même pour jouer, tu vois. Putain, il va m'éclater, lui. Il a juste une poise infinie, en fait, ce mec. Vous avez vu, il bouge pas. Il lui met un coup, il bouge pas. Pour le coup, je mange et je regarde. Voilà, ouais, cette configuration est peut-être mieux. Oh, l'armure de guerrier cornu, dis donc. Ouais. C'est des bonnes armures, hein. C'est vraiment des bonnes armures. Hein. Ça fait pas bizarre, Lin-Lin, de retourner dans le jeu Vanilla après le DLC? Ça fait pas genre... au jeu? Je demande, hein. Sandwich à 9h, là. Une rosette cornichon maillot, là. La page de journal déchirée. Lisons les descriptions dans l'inventaire, quand même. Page arrachée dans un journal. On peut y lire un passage écrit d'une main tremblante. J'ai touché, mais une fois seulement. Quand il a voulu me frapper au visage avec son bâton,
J'ai dévié le coup. Ah. C'est à ce moment que je l'ai effleuré. L'intouchable. Putain, il va falloir parer. Sa mère. Il va falloir parer. Les jeux du jeu... Attends, les zones du jeu Vanilla font fade, ouais. Putain. Oh. En plus, il y a un filtre sépia dans le Vanilla, j'ai l'impression. Moi, sépia, j'abuse, mais... fadasse. Voilà. Non saturé. Mouche lanterne, ok, on a un objet là-haut. Hop. J'entends des rats. Fruits enflés. Extrêmement rare. Globe oculaire de flamme exaltée ayant enflé de l'intérieur. Matériau servant à fabriquer des objets. Les empreintes brûlées à la surface indiquent qu'il a bénéficié de l'étreinte des trois doigts. Oh là là. Il y a des trucs là. Du parcours. Ouais, c'est prévu hein, le randomizer. Le slide, c'est prévu. Le gars du randomizer en a parlé. Il a dit qu'il était en train de travailler dessus. Ah mais ouais, mais il faut prendre son temps. Hein. On a tellement attendu qu'il y ait du nouveau FromSoft que moi je peux pas rusher. C'est impossible. Mentalement, je peux pas. Pas moi, c'est juste que en fait moi je veux juste pas que ça se finisse, en fait c'est pour ça que je marche, je prends pas le cheval, je cours pas, je voilà, c'est des trucs nuls. Moi le lore je le connais pas moi. Là il y avait des rats hein, c'est bizarre hein. Il devait y avoir un étage supérieur. Là, je comprends pas. Putain, il me drop des trucs, ça c'est cool. Bah, je le vis comme un nouveau. Comme un nouveau FromSoft en fait, après ça aurait complètement la capacité d'être un jeu à part, hein, un standalone. Hein. Salut Méton, comment ça va? Coucou. Ah salut Romain, comment tu vas? Et ouais, du coup j'ai coupé hier avant de rentrer dans le presbytère. Ah c'est lui qui balance des bombes, ok. Du coup là je découvre, oh là là. Ça a l'air ouf. De toute façon là j'ai pris la claque, depuis que j'ai pris la catacombe en haut, j'ai pris une claque. Je crois que cette arme elle est vraiment bien en fait. En fait ce qui est cool avec cette arme c'est que quand t'as un ennemi qui se dirige vers toi, tu peux pré-shot ce truc. Et en fait il vient s'empaler dans les pics. Du coup ça l'arrête. Et en fait vu qu'elle dure un moment, ça lui refait un tic de dégâts. Et souvent il est poisé, et s'il est pas poisé, toi t'as déjà chargé une attaque et bam tu le poise. Donc en vrai c'est une putain d'arme ce truc. Je pense que ça va être très très cool contre les boss du jeu de base. Putain, par contre, vas-y, le level design. Hein. Vous embauchez des mecs barjots pour faire le level design du DLC. J'aime pas les builds de force et pourtant je joue tout le DLC avec ça. Eh ben ouais, moi pareil. Mais parce que ça nous rassure. Le boss de la zone. Ok. Il me tarde. Oh. Ça qui a bougé? Je sais pas. Au même endroit que tout à l'heure. Ça n'a pas du tout bougé. On peut faire le tour. Clairement, c'est officiel. L'information est officielle. Donc c'est ça qui s'est ouvert. Pas du tout.
Il y a ça qui est... Ok, bon, je vais là. Le son, ça va? On n'entend pas trop le son du jeu, quand même. C'est parce qu'il n'y a pas trop de musique aussi. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Je vous en supplie, arrêtez. N'ai-je pas assez souffert? Ne sommes-nous pas frères issus d'une même lignée? Et pourtant, vous ne m'offrez que votre cruauté. Je vous le demande, quel crime le grand Midra a-t-il commis? Bon, ok, on sait que le boss, il s'appelle Midra, déjà. Il y a des ennemis partout. Attendez. Midra Miquette, ouais. C'est lui. C'était lui depuis le début. Je pense qu'on peut faire le tour. Je vais voir. Attends. Pas du tout. On peut pas du tout faire le tour. Ça aurait été bien. Là-haut, par contre, il y a un truc. Ok. Midra Miquette. On est habitué à force. On connaît un petit peu les devs là, à force. Ok, donc là je suis en haut. Et on a Jean-Kevin René là-bas. Qui nous balance de la démence. Flamme exaltée. Déferlante, ça doit être ce qu'il balance là. Je pense que c'est ça. Midra Vion. Putain, mais t'as craqué, Bad Wolf. Pourquoi pas? Ok, donc là, il y a des bibliothèques. Peut-être on pourra monter dessus. Ah, je suis au-dessus de la zone de tout à l'heure. Ah, j'adore. J'aime trop ça. J'aime trop ce genre de truc. Ah, c'est pour ça que j'entendais des rats. Ok. Il va y avoir des rats, là. Ah ouais, voilà. Ok. Et attends, on va y aller. Peut-être se mettre une petite torche. Putain, la zone, elle est folle. Par contre, on n'y voit que dalle. Heureusement, ça aime pas le feu, ça. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Il est pas mort! Ah ouais! Manuel d'artisanat fou. Flamme exaltée déferlante, trop cool. Bah du coup je peux en fabriquer maintenant. Et là on pourrait redescendre en fait dans la pièce en bas, ok. Ok. Ouais, elle ressemble beaucoup au tueur de dragon dans DS3, c'est vrai, t'as raison. Deiko. Alors c'est marrant parce qu'en plus j'ai fait DS3 avec l'arme du tueur de dragon. Donc c'est quand même rigolo. Il n'y a pas des objets là sur les bibliothèques? Pas l'impression. Ah cool, un feu. C'est lui qui gueule? Là, je suis au-dessus de la zone de... Waouh, putain, mais le level design, je suis au-dessus de la zone du début. Oh là là. C'est incroyable. Ah, je pourrais prendre une bénédiction. Je la prends pas pour l'instant. Salut, Gratin. Son arme à Midra, c'est la yette. La midraillette. Ah ouais, franchement, GG. GG pour la blague. De nouveau les porte-manteaux. Non, il n'a pas eu lieu. Le stream d'hier n'a pas eu lieu. J'ai fait du montage.
Ma chaîne YouTube, du coup, non. Il n'a pas eu lieu, donc... Mais j'ai pas prévenu, j'aurais dû vous prévenir. Je vais faire d'abord la zone en haut, là. On va voir. Là, il y a une échelle, ok. Ah, mais... Ils ont vraiment fait des belles zones pour le DLC. Des bons donjons. Et ce que je trouve génial, c'est... Alors Romain, je sais pas si t'es toujours là, mais la catacombe qui m'a fait accéder à cette zone, je trouve bien que c'est pas genre une catacombe où t'as un boss à la fin et bam, tu reviens au début. En fait, c'est des passages, quoi. Grâce à cette catacombe, bam, tu retrouves... t'arrives dans une nouvelle zone. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou, en fait, que... Genre, comme s'ils avaient compris que même dans le jeu Vania, leur catacombe, en fait, on en avait juste ras le cul, quoi. Elle servait à rien. Ouais, c'est aujourd'hui, là. Je ferai le tirage à la fin du stream. Ah ouais, les catacombes du jeu de base, franchement, à force, enfin... ils nous ont fait une Zelda, en fait. Hein. Ok, donc là, il y a un objet. Nickel. Alors. Oh merde. Ah, c'est le truc qu'a invoqué le gars du cimetière. À l'aide. Attends, comment j'y vais là? J'aurais pu y aller peut-être par là. Putain, en plus il y a un objet là. Let's go. Tirage, c'est pour gagner le DLC sur la plateforme de votre choix. Vous faites point d'exclamation jeu. Il vous faut avoir regardé mon stream 3 heures. Ah pardon, j'ai pas dit bonjour à Leloup Dissident sur Twitch Rouge, à Yanorix, Nayorix pardon, et à Fire Lela. Bonjour à vous. Ça change des catacombes du jeu de base, ouais, franchement. C'est quand même... quand même bien plus travaillé, ce DLC. Jeu. Je peux y enfler, ok. Alors là-haut, comment je peux y aller? Voyons voir. Je les front-stab pas parce que ça, c'est trop long. Au total. Si t'as déjà lurké et tout, si t'es déjà habitué de la chaîne, tu peux participer direct. De toute façon, s'il y a votre ticket qui est dispo, c'est que vous avez assez regardé la chaîne. Il n'y a aucun souci. Salut The Saiyanjin, comment ça va? Coucou. Putain, mais je les vois même pas et ils apparaissent, on dirait. Ça va bien, The Saiyanjin, ça va très bien. Tu peux gagner un exemplaire du DLC ou 1,2% du taux de gras de Ribo. Non, 1,7 déjà. 1,7%. Oh, tu l'as là. Tu l'as là. Comment il s'appelle? Là où je suis. Midra. Tu l'as là, Midra. C'est lui! C'est lui qui s'arrache la tête! Oh putain. Ouah putain. On va chialer. Salut Jay-Z Coach TV, coucou. Sachant que je pense que je vais... je pense que je vais en offrir un à... à Voxol. Qui a fait la modération... vraiment, vraiment comme il a pu et vraiment dans le sniping permanent. Et il a été mis à rude épreuve, donc je pense que je vais en offrir un à Voxol. Je lui demanderai s'il le veut sur PS5 et puis hop, zou. C'est un de tes endroits préférés, la Crunch Attack? Franchement, c'est magnifique. C'est incroyable. Eh, vas-y, on fait comme Lenlen, c'est parti. Il vient. Comment ça va? Est-ce qu'elle te convient? Est-ce que... Oh putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr, bordel. Ah, la DA, elle est folle. Le DLC, moi, je trouve qu'il met une vitesse au jeu de base, en fait. Attendez, je me casse, je vais me reposer. Parfaite. Putain. On sent la souffrance, quoi. Ribozo, merde au cul. Ça me fume. Bon, en fait, il faudra chercher derrière tous les tableaux. Ce que j'aurais voulu tester, c'est mon entrave, voir si ça fonctionne avec les tableaux. Mais je pense que oui. Salut Neptune, coucou. Ça rappelle un peu le château dans Bloodborne. Oui, je suis d'accord. La bibliothèque. Il y a beaucoup, beaucoup de refs à beaucoup, beaucoup de jeux qu'ils ont fait. J'ai rush le Vanilla jusqu'au DLC sur la NG+1. Moi, j'ai fait une save. J'ai sauvegardé ma partie avant de partir dans le DLC.
Putain, on dirait que je suis à poil sous mon truc, puisque c'est la même couleur que moi. Le mec est torse nu, quoi. Mais ouais, du coup, j'ai fait une sauvegarde de ma sauvegarde et je pourrais refaire le DLC de suite après si je veux. Ça, je suis trop content pour le coup. J'ai tilté au. Enfin, j'ai percuté, quoi. Salut Benruma, coucou. Oh. C'est une échelle contre ce truc? Mais du coup, t'auras pas les armes du DLC pour faire le DLC. Ah putain, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je ferai une save. Ah! Et merde. Hein. Putain, franchement, il faudrait qu'il laisse le choix aux gens. Hein. Ça serait trop bien qu'on ait le choix de partir en DLC niveau 1. Et qu'ensuite, bah, tu récupères les améliorations de directement dans le DLC, quoi, en fait. Ouais, le marteau est trop cool. Benruma. Le marteau, il est vraiment, vraiment très, très bien. C'est une usine à stun, ce marteau. Surtout avec ça. Okay. C'est un gaufrier Lagrange, ouais, comme on disait. Allez, vas-y, chaud, là. Chaud. Moi, il me tarde de finir pour pouvoir retourner sur le stream de tout le monde. Hein. Sur les streams de tout le monde, pardon. Putain, mais il est trop bizarre, lui. C'est on dirait un sancte cher. Ça va, ils me font pas trop mal. Le loup dissident suit la chaîne. Merci, le loup dissident, pour le follow. Merci beaucoup. Cendre spirituelle vénérée. Je maintiens que les lames revers, c'est les meilleures armes que j'ai testées du DLC. Après, ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air vraiment ultra rapide. Mais je pense que je vais me faire des petites trips build de dex, build de magie. Je pense que je vais me faire le DLC à la magie. Pour ma prochaine run. Et après, je pense que je tenterai rien que full dex. Peut-être avec les chakrams, là. Peut-être avec ça, là. Ou l'âme revers, après c'est vrai que ça a l'air trop cool. Peut-être avec ça, celui-ci là, ça me tente bien. Ouais, les lames de Relana, je peux les porter. Hein. Elles sont améliorées en plus, je les ai améliorées plus 9. Je sens qu'il y a un truc là, c'est sûr, qui va m'attaquer. Oh, j'étais bloqué sur des bouquins. Tu veux voir mes armes un peu, Benlin? Attends. Montrer. Ah! Et ça? Salut le chevalier du creuset. Incroyable, on a le loup dissident et le chevalier du creuset. Salut à Pistar aussi, coucou. Alors attendez, au niveau des armes, ce que j'ai récupéré du DLC. Je peux vous montrer rapido. Petit inventaire. C'est parti. Au niveau des dagues, j'ai récupéré les dagues de lancer. J'ai récupéré la damoiselle. Ça, j'ai trop envie de me faire une run avec ça, avec les bons weapon arts là-dessus. Ça doit être juste insane. J'ai récupéré les lames jumelles de Relana de 9. Enfin, elles sont en plus 9, du coup. J'ai récupéré les armes des petites gargouilles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai l'espadon de la solitude. Ah oui, j'ai les armes des chevaliers de feu aussi, qui a l'air stylé. J'ai aussi ça, là. L'espadon en minerai météorique ancien. Ça, ça a l'air juste trop énervé. J'ai ça, là. La lame sorcière de Caria, ça a l'air juste insane. C'est une épée. Mais je sais pas ce que ça fait, j'ai jamais pu l'essayer. J'ai la lance sanguine, alors ça c'est incroyable. Ah ouais, parce que du coup j'ai mis la graisse. Regardez. Celle-là, je l'ai passée en saignement. Espadon météorique, t'as testé le weapon art? Ouais, j'ai vu. J'ai vu, mais alors j'ai pas les stats, mais j'ai vu le truc. Ça a l'air fou. Salut Panzominator, coucou. L'arme des gargouilles, c'est un putain de lézard. Ouais, t'as vu? Tu tapes avec un lézard desséché. Voilà, cette arme-là, si vous voulez, on l'utilise un peu. Je l'ai passé en saignement. Je savais pas qu'en fait, quand on récupérait une arme du DLC, le weapon art qui était dessus, en fait, tu le débloques pour ta run. Enfin, il est débloqué, là, ce weapon art, en gros. Donc, je peux le mettre sur une autre arme, si je veux. Si je veux, je peux mettre ce weapon art, du coup, sur une clé mort. Sur par exemple ça.
Ah ouais, j'ai un Ishimonji de congèle. Moi, mon objectif, c'est de passer 18 index là. Ah, oh, cool, un feu. Ouais, il a essayé le lézard et ça marche bien ou pas? Ah, ok. Là, je reviens au tableau. Ah, putain. Oh là là. Extra. Ouais, ça se passe bien, Vauxhall. Ça se passe nickel, merci. Les gens sont adorables, là. Je les ai menacés et du coup, ils sont super sympas, Vauxhall. Courage pour le taf, Vauxhall. T'as pas d'autres armes? Si, si, j'en ai d'autres, attends. C'est vrai que j'ai pas tout montré. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Non, j'ai pas récupéré des trucs de fou, moi, après. J'ai eu les chakrams qui font du saignement, les chakrams qui font pas de saignement. J'ai eu les lames revers, du coup. J'ai eu le grand katana de chasseur de dragons et le grand katana de Rakshasa. J'ai eu une espèce d'aiguillon aussi, là. L'âge de soldat de Mesmer. J'ai eu les haches jumelles de chevalier de la mort. Alors celles-ci, elles ont l'air incroyables. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu le marteau, là, en acier noir. J'ai eu ça aussi, le bras démon sanglant. Le marteau de chevalier du creuset. Une pique, comme ça. Avec, vous avez vu la cendre de guerre dessus? Et après, j'ai eu le porte-manteau. Des bisous, Vauxhall, courage à toi. J'ai eu ça aussi, apparemment. Je sais pas ce que c'est. Et puis, j'ai eu un fouet avec des dents. J'ai eu les patates tout court. Les parfums, ça, j'ai trop envie de tester. C'est pour ça que, d'ailleurs, je fais monter ma dex. Pas du tout. J'ai pas... Ah, ça, je pourrais l'utiliser si je montais un point d'intel. Et après, j'ai eu l'arbalète à répétition. Ça me tarde trop de tester aussi. Et en termes de saut, j'ai eu le saut de mortefeuille aussi. Voilà. T'as testé les parfums? Ça a l'air super, hein. Tu mets ça en main gauche. Ok, bon, j'arrive au boss, je crois. Je vais prendre des runes pour prendre un level. Ah ouais, putain, c'est le mec... C'est le mec qu'on a vu dans les trailers et sur les photos du DLC et tout. Oh, 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 oh. Alors, y a quelqu'un qui a marché sur un Lego, ouais. Je vais essayer de me faire monter mes levels. Est-ce que j'ai des runes? Ouais, j'en ai. Salut, Watch, coucou. Bah ouais, c'est clair, Watch. Non, mais c'est sûr. Merci pour ton retour en live, là. Incroyable. Merci beaucoup pour ton retour sur ma vidéo. On va prendre le reste. Parce que je crois qu'il me faut v'là les runes. Putain, j'ai tout envie de vendre à un mec, à un marchand. Hop. Enfin, 233. On va prendre ça. Putain, le slide. Incroyable. Alors, montée de niveau. Je vais monter la dex pour avoir 18 en dex. Et après, en intel, je pourrais utiliser le parfum. Il est très très chaud d'essayer ça. Je suis vraiment super chaud d'essayer. Pourquoi pas? De toute façon, c'est pas perdu de mettre un point d'intel. Après, c'est vrai que je voulais monter la foi pour utiliser les sortilèges de foi aussi. Ah, putain, je suis dans une tourmente, là. Bon, d'abord ça. Pour les parfums. Et on y va. Let's go. Je vais y aller avec cette arme, je sais pas ce que ça vaut. Par contre, je vais y aller à une main. Je vais me buffer. Niveau 13 pour les esquilles. No mana. Ah.
C'est pas fini, hein. C'est sûr. Attendez, je monte le son. T'as eu mal au cou. I have endured more than enough. Âme sensible, à mon avis, faites gaffe là. I ask you forgive me, dearest Nanaya. Eh ben, waouh, le sound design. Waouh, l'arme. Ouf. Voilà, clac, la vitesse, mais à tout. Wow. C'est Sauron. Putain, il a un porte-manteau vachement mieux que le mien. Je fais une capture d'écran. Et j'ai pas de boulette anti-démence. Une licorne, ouais. Ceci n'est pas mon arme d'habitude. Ça m'atteint pas. La maxi pédo de zinzin. Putain, elle est trop stylée. Il saigne. Plaqué pour un build de démence. Oh putain, la fiole qui m'arrête. Wesh. Ah, je peux pas me soigner, putain. Je suis mort. Tu te bats dignement. C'est des phrases de... Je sais pas. Salut Dean, salut Willows Ward, salut à Anto et salut à Heroi, coucou à vous. Oh. Ah ouais. Bon, je vais changer d'arme, je suis pas habitué à celle-là et franchement ça s'est bien senti là. Je vais prendre mon bonk classique qui fait congèle. Oh, waouh, putain, le chara-design du boss, là, waouh. Et bonjour, Heroi, bien entendu. C'est l'un de tes boss préférés. Peut-être qu'il faut prendre... Peut-être quand même qu'il faudrait s'équiper d'un... truc anti-démence, vous voyez ce que je veux dire, hein. Possible, ça. Alors ça, dissipe la démence accumulée. Attends, est-ce que je peux fabriquer des trucs... Je peux en fabriquer? Ah oui, 40. Vas-y, j'en prends 15. Allez, on va retenter avec ça. De toute façon, les marteaux, c'est la vie. Ou sinon, j'essaye avec mon gros marteau. T'as. Allez, pour une fois, j'essaye avec mon gros marteau. Hop. Putain, le boss, il est juste insane, quoi. Eh, je suis d'accord, la musique, elle est folle aussi. Oh. Wow. Allez, zou. Le gros marteau. Là, renforce-moi. Ça. Ça.
Ouais, c'est vrai qu'à lui, enfin, au début. Ok, Zou. Comme il fallait. Ouais, le feu. Ça veut dire qu'on le purifie par le feu, je pense. Donc les devs, ils voyaient le mode convergence émerger avec un boss de démence, et là, ils l'ont fait, du coup. Le stylé. Là, par contre, je prends là les decks. Hein. Il est fort, hein. Mais non, il a un PV. Oh oui, deux try, putain. Deux try. Oh putain. Abonne-toi. C'est qu'il se bat bien le ribot, hein, maintenant. Il se bat bien. Hein. Deux try, je suis mort une fois, quoi. Attends, d'ailleurs, j'ai pas compté la mort. Donc je suis à 100 morts. Hein. T'as eu très très chaud, ouais, j'avoue que j'ai eu méga méga chaud. Merci Maxime, merci tout le monde, merci beaucoup pour les GG. Salut Nox, salut Romain aussi sur YouTube, coucou tout le monde. Il était facile, ouais, j'avoue, mais j'ai eu du bol parce que j'ai une bonne barre de vie aussi. Trop facile le DLC. Trop facile, non c'est pas vrai, c'est pas trop facile. C'est juste l'arme en fait, je pense que j'ai juste eu du bol d'avoir les bons types de dégâts contre l'ennemi parce que, en effet, le feu ça avait l'air de lui faire, mais voilà les dex. Merci pour les GG. Merci pour les GG. La manette, elle est morte. Ouais, j'avoue, la manette, elle est dans un état. J'ai fait toute la Oulbo 6 No Death. Elle est dégueulasse, en plus. Et j'ai eu un souvenir, non? J'ai eu un souvenir. On va peut-être monter le... On va peut-être monter nos stats, quand même. On va aller voir le souvenir. Monter de niveau. Touk, touk. Je peux monter qu'un seul level. Ah ouais. Vête 2000, ouais, ça suffira pas. On va aller voir le souvenir ce que ça donne. Incroyable. Par contre, l'OST, tout le design du boss, il est juste dingue. Le mec avec un peu de mêlée. Ah, il est mort, ouais. Deuxième coup, l'enlème. Ah ouais. Force fois Tex. Fois 41. Invoque la tête du seigneur de la flamme exaltée qui crache la flamme exaltée. Oh. Ça, c'est une lance, du coup, c'est un espadon. Attends, c'est un espadon. Ah. Ordinaire et persan.
espadon doré qui perça jadis le corps de Mydra, maître du presbytère, employé par les kinésiothérapeutes pour infliger une damnation sans pareille. Les aiguillons qui enveloppent la lame perçant victime de l'intérieur. Crucifix doré. Vous bondissez avec grâce dans les airs et effectuez une attaque descendante. Les pointes de la lame jaillissent alors, ce qui inflige un lourd dégât à l'ennemi si ce dernier s'est fait embrocher par l'attaque initiale. Ah, cette technique évoque étrangement l'ordre d'or. Elle a l'air ouf. Elle a l'air juste ouf. J'ai trop envie de la prendre. Hein. Pour ce fois, c'est mon build. Je pars avec ça. Vas-y, je pars avec ça. Ouais, le Weapon Art, il a l'air zinzin. Après, c'est sûr que je prends pas ça, quoi. Bon, après ça, c'est du mana. Vas-y, on va tester, voir. Donc, c'est un espadon, en plus. Parce que moi, j'avais peur que ce soit une lance, en fait, le truc. Mais si c'est un espadon, moi, ça me va très bien. Hein. Ah ouais. Putain, on dirait un éclair de Grand Saxe. On va essayer de tester le Weapon Art et on verra si on l'améliore ou pas. On va aller là, là. Salut Noisette, comment tu vas? Coucou. Ce DLC, quoi. Lala. Lila, lala. Toi aussi, tu vas là pour tester les armes? Ouais, attendez, on va aller là. On dirait que je danse, ouais. Mais après, ça a l'air bien. Je pense qu'il faut... Attendez, qu'est-ce qu'il dit sur le Weapon Art? Cette technique évoque étrangement... Il faut se faire embrocher par l'attaque initiale. C'est quoi l'attaque initiale? Attends. Ah si, par contre c'est une fois et deux fois. Wow. Ça fait une AOE de malade. Donc ils prennent plus de dégâts si tu les touches. Une première fois. Stylé en vrai. C'est très stylé. Hein? Donc là, si je le touche, en fait, il prend plus de dégâts après, quoi. Ouais, la range de la AOE, elle est folle. Hein. Admettons, attends, si je me mets là, là, voir. Ah, et ça stun. Elle est pas mal, hein. Et ce qui est cool, c'est que c'est un espadon. Ça, je trouve ça trop, trop bien, par contre. Stylé, hein, en vrai. Vas-y, je vais partir avec ça un peu. Par contre, faut l'améliorer du coup. Attendez. Hop. Bon, ça a juste incroyable. Salut Tarbuck, coucou à toi. Vous aimez bien vous? Ouais, puis c'est quand même l'espadon de... Hein, de la démence originelle quoi. Attendez, montée de niveau, je peux pas encore. J'ai combien? J'ai 224 000. Ah vas-y, on va aller l'améliorer. Au moins pour tester les dégâts. Attends, mais sur le soldat de tout à l'heure, ça a pas fait le Weapon Art. Non, je l'ai pas. Je savais pas qu'il fallait rappuyer dessus en fait. Salut Mordaz, coucou. Elle est incroyable, ouais. On va le refaire. Je pense qu'il va mourir trop vite en fait, Lenlen. Renforcer une arme. Alors, pierre sombre, une, j'en ai. Hop, deux, trois. Donc là, elle est plus 9. Ça change un peu, ouais. Ça change un peu. De toute façon, j'ai toujours mon marteau. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait tester pour faire mal, là, pour tester les dégâts? Vas-y, bah déjà, on va retester la AOE avec l'arme en plus 9. Salut Gouzi, coucou.
Sur un soldat de Mesmer, ok. Ah ouais. Alors, attends, si tu fais ça... Incroyable. Ok. Donc soldat de Mesmer, par contre, je sais pas où est-ce que je peux en trouver, à part dans le château noir. On peut essayer dans le château noir. Hein. Et merci à Pakuraban pour le sub, merci beaucoup, merci infiniment. Abonne-toi. Il doit y en avoir là, là, dans l'entrepôt. Let's go. Peut-être pas l'entrepôt, non. Attends, je réfléchis. Entrepôt à semences. Dévouir. Juste avant la salle de Mesmer. Ah oui, c'est vrai. Là, là. T'as tellement passé le boss vite que t'as pas vu toutes ses attaques. Ah ouais, je l'ai eu vite, ouais. De toute façon, je vais mettre des contraintes, je pense, pour le... Ah, il est mort, non? Je l'ai buté? Attends. Ah, attends, j'avais pas vu qu'il y avait ça. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Après, c'est marrant que ça fasse des attaques sacrées, du coup. Donc 800 quand même à une main. Hein. Et là, à deux mains, 1130, ok. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça par contre. Salut Dalol, coucou à toi. J'ai pris de l'anti-démence du coup. Ok, on va remettre ça. Non mais par contre, je peux faire un super RP, regardez. Je peux faire ça. Tac, 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 tac. RP démence. C'est parti. Regardez ça. L'arme dans cette main. Ça dans l'autre. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Ça dans l'autre. Et du coup là y'a rien. Bizarre non? Pourquoi on me fait aller là alors? Attendez. Ah mais parce que je viens de là. J'y suis allé par là là. Ah oui ok, je suis arrivé par ici. Je suis juste teubé. Alors attendez, où est-ce qu'on peut trouver des... entrepôts partie arrière, entrepôts combles. Peut-être par les combles. Il y a peut-être des soldats de Mesmer. Ah c'est vrai qu'il y a des soldats à l'entrée. Là là où il y avait l'hypo. Vas-y on va aller voir. Salut Arden, coucou. On teste une nouvelle arme là qu'on vient de débloquer sur un gros boss bien énervé. Franchement, c'est pour le moment un des plus beaux boss que j'ai vu. Juste fou. Sur eux là alors? Salut Spellbones. Vas-y, attends, on teste. Bah, ça fait la même chose, non? Ouais, je pense que je vais en faire, Thomas. J'en ai déjà fait quelques-uns, je crois, ils sont sur le Discord. C'est quoi qu'il faut faire? Tu fais une touche en particulier ou pas, Lin Lin? Moi, ça fait rien, hein. C'est peut-être pas sur eux. Non, je me suis trompé. Qu'il soit bien face à toi, attends. Non, ça fait rien. Sinon, c'est R2 qu'il faut faire. Je sais pas, attends.
Non. Non, 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 non. Non, c'est Louis Ponard du chef de la démence, on va dire, du seigneur de la démence, de... comment il s'appelle ? De Midra. T'avais testé sur les ombres, d'accord. Bon, bah écoutez, on va continuer avec ça. Et je voulais aller voir... Est-ce que j'ai tout fait ici ? Je sais pas. J'ai quand même bien poncé la zone ici. La zone basse, là. Vraiment trop bien. Franchement, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé sur le DLC, là, c'est toute cette zone, là. C'est juste fou. Alors du coup, moi, j'aurais bien testé sur un dragon comme ça, là, vous savez. Parce qu'en vrai, ils craignent la foi, et vu que mon arme, elle fait de la foi... Non, j'ai pas fini, Nayam. J'ai pas fini, d'ailleurs. Tu as le message épinglé, tu as les boss que j'ai déjà fait, et puis voilà. Du coup... Bah du coup, soit je continue la zone que j'avais faite la dernière fois, là. Pourquoi pas, hein. Oui, on voulait récupérer la map. Allez, on va faire ça. Là, j'y suis pas allé, là. On va voir. Salut Taras Boulda, coucou. Lin, je te le dis, vu que t'es VIP, tu peux répondre à des messages qui me spoilent. Si tu regardes sur PC, tu fais répondre et tu mets point d'exclamation spoiler et ça me masquera le message. Je te le dis parce que du coup t'es VIP et toi aussi Thomas, tu peux le faire aussi. Ah ben voilà Thomas, merci pour le point d'exclamation à vie. Donc nous on était arrivés là il y a longtemps maintenant. Je vais couper pour YouTube du coup la VOD, mais on va reprendre tout de suite pour vous là sur le live. Let's go.